à tous. Vous le savez, clap de fin pour le FIFAC première édition. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'échanger avec certains réalisateurs qui ont été primés ce soir. On commence avec Cédric Ross qui a reçu le prix du contenu digital. En tout cas, je suis très content. C'est-à-dire que j'hésitais beaucoup à le mettre au concours, effectivement. J'y pensais même pas, parce que j'étais un peu pris dans le festival. Après, comme il est mort il y a 2 mois, je me dis que ce serait un bel hommage. Parce que je le connaissais très personnellement, j'allais le voir très souvent, ce serait un bel hommage de mettre le film en compétition. La jeunesse également a eu droit de citer ce soir avec le Grand Prix des lycéens décerné à Audrey Jean-Baptiste. Merci encore. J'ai vraiment découvert l'ampleur de ce que pouvaient vivre de jeunes personnes issues de la communauté LGBT en Guyane. Ce sont des jeunes qui, pour qui c'est vraiment pas évident de pouvoir vivre de la manière dont ils veulent ici en Guyane. Et j'espère qu'un jour, ces jeunes-là auront une vie vraiment possible en Guyane sans avoir vraiment l'objectif de partir. Autre prix également, très important, prestigieux, le prix spécial du jury. Je ne m'y attendais pas. En même temps, je m'y attendais et je me disais juste que franchement, c'est déjà une victoire pour moi que ce film-là existe, que de faire continuer à exister notre vision du monde. Et je ne compte pas m'arrêter là. Mais ça fait du bien au cœur. En ce qui concerne Scolopendre et Papillon, un film, c'est toujours une histoire d'équipe. Il y a toujours une magie qui intervient. On était une très petite équipe technique. Mais comment ne pas penser tout de suite à Agnès, Fabienne et Danieli qui sont dans ce film et à toutes les victimes, survivants, survivantes, déclarées ou pas. Alors le grand prix de ce festival a été décerné à Jessica Généus, une réalisatrice haïtienne, pour son documentaire Douvanjou Kalévé. Une émotion a subjugué l'assistance, évidemment, Jessica, que vous avez peut-être dû voir en larmes justement au moment de s'exprimer suite à la remise de ce prix. On l'écoute. Je ne peux pas dire est-ce que je suis contente, est-ce que je suis excitée. Je suis plus en train de recevoir tout ça parce que c'est ici que ce film est né aussi. Parce que quand je suis arrivée avec mon scénario ici, je l'ai complètement retravaillé à l'atelier d'AVM avec Vanina Franchi, que Vanina Franchi et Didier Urbain ont organisé. Je l'ai complètement retravaillé ici. C'est ici aussi que j'ai rencontré mon producteur qui aujourd'hui, avec qui je vais faire ma première fiction. Donc ça veut dire que c'est très significatif pour moi, surtout à Saint-Laurent-du-Mahoni. Alors voilà, cette première édition du festival, cette première édition du FIFAC touche à sa fin. Et rendez-vous d'ores et déjà pour la seconde édition en octobre 2020. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.